Ah ouais, c'est comme ça, quand ils appellent tous en même temps. Ok. Ils appellent tous en même temps. Et quand tu rappelles maintenant, ils ne prennent pas. Maintenant, ceux qui veulent rappeler, c'est le moment, hein. C'est le moment, sinon on va rester comme ça. Dia, tu voulais que je te rappelle ou quoi? Ou bien il faut appeler. Appelle avant que des gens n'appellent. Et, oh. Attendez. Allô? Allô, salam alaykoum wa Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Ndiarama. Ndiarama. Nalaton. Oui. Namastu de. Seda. Allah Ndiarama. Oh, je m'appelle Amadou. Ah. Je t'appelle depuis Zurich en Suisse. Ah. Je t'ai appelé ici une fois. Oui. Je Oui. te dis, si je parle français. Ah, Allez-y. c'est trop lourd. Tu me comprends? Oui. Alors? Oui, allez-y, allez-y, on entend. Allô? Ah, oui, on est là. Allô? Ok, je vais parler un peu français. Les mots que je connais en français, le reste, je parle ça en poulard. D'accord, il faut débrouiller comme ça. Ok. Moi, je vais intervenir à cause de l'alpha condé. Si on les laisse sortir ou si on les laisse en Guinée. C'est ça, oui. Moi, je dis, pour moi, alpha condé, pour les laisser partir, c'est très grave pour la Guinée. Parce qu'avant, il était en président, il a déjà organisé une rébellion contre le président, comment on dit, l'ancien Conte. Maintenant, il a venu le pouvoir, on l'a légué comme ça, comme un bébé. Si on le laisse comme ça partir, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'argent et puis beaucoup, beaucoup de connaissances. Il va revenir, il va gâter notre pays. Et puis, colonel Doumbouya, il a un danger pour moi. Pour moi, qu'est-ce que Alpha Condé a fait le paix pour Guinée? Il doit répondre à la justice. Ça, c'est un exemple pour les autres qui viennent. Parce que quand on laisse Alpha Condé comme ça, il y a quelqu'un qui va venir et dire, ah, parce que moi aussi, je vais faire comme je veux, parce qu'il n'y a personne qui m'a dit rien. Oui. Maintenant, si on vise Alpha Condé, ça, c'est exemple pour les autres qui viennent. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Maintenant, le deuxième, j'ai oublié le deuxième chose que tu as dit, ton programme là. Le deuxième sujet, c'est quoi encore? C'est la sécurité du colonel Doumbouya. Ok, moi, je vais dire, le secrétaire de colonel Doumbouya, tous les anciens ministres là, les Damaro, je ne sais pas quoi et quoi, les gens qui ont bien positionné dans le gouvernement de Alpha Condé, et tout, ils doivent. Chose pour lui, chose grave, c'est ça que je les conseille. Maintenant, le troisième point, tu as écrit encore un troisième point, j'ai oublié encore. Je ne retiens même pas ça. Le Donc, troisième point, c'est quoi encore? tu veux parler sur tous les points. C'est quoi? C'est la femme gouverneur, là. Il a nommé une femme gouverneur de Kaloum. Moi, quand je dis ça, je suis très, 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 très soulagé. Parce que pour moi, entre les femmes que je connais dans le monde, en Afrique, c'est les femmes guinéennes qui ont, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est les femmes guinéennes qui ont rien dans les politiques, qui ont rien contre les hommes. Ça, c'est un exemple là. Je comprends le droit des femmes, Ministre quoi. Guinée-Conge, réew mi Guinée ben ko réew mi ɓe annanda hoore maɗa ɓuura ɓe fayde jaati leyde e nder Afrique. Normalement réew mi Guinée ɓe giɗe mari réew mi janguɓe giɗe mari réew mi marɓe expérience
il doit parler de gouvernement quand le gouvernement est été au Guinée rappel nous doit parler des moudons position de nous grand cadre donc le doit on rappel nous doit parler des moudons pour amener on fait parce que rebe Guinée ben ben Allah ta fait comme am yete de Allah te dungal ay godo te dinado afami so dum don hare limbi do tori kala gouvernement aro do démocratiquement élu en Guinée rebe no doit tawé ka gouvernement ton no doit wonde minimum 40 pour 40 60 la famille doit prendre 40% les hommes 60% c'est vrai parce que ça veut dire démocratie parce que moi quand tu m'as demandé même les comment on dit ça les justices il doit être 50-50% les femmes avec les hommes là-bas. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent décider. Les femmes, ils doivent décider parce que c'est les femmes qui amènent les hommes au monde. Oui, c'est vrai. C'est comment on dit seulement c'est les hommes qui décident, ils disent ça, les femmes, ils font ça. Ce n'est pas normal. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas normal pour moi. Moi, je n'accepte pas ça. D'accord. Ça, je suis très, très content. Il y a une femme qui a devenu gouverneur de Conakry. Bon, maintenant ça fait 5 minutes 44, 45 que tu parles. Ok, je te laisse les autres de la terre comme ça. Merci beaucoup et puis Dieu te bénisse. Amine. Je te suive ton Dieu. Parfois je n'ai pas de temps, mais quand je reviens au travail, je regarde ça au tard. Mais Dieu va te bénir. Allah lando on walle, walla kala wolbe wallu de, il te gagne de mitorika Allah lando. Merci beaucoup. Amina. Bon, je n'ai pas compris. Hein. Amina, okay, quand même. Ok, merci, au revoir. Bon week-end. Bon. Enfin. Oui. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Et c'est vous allez. Alhamdoulaye. Allô? Allô? Il faut diminuer votre téléphone derrière là-bas, le son. Allô? Oui, on est là. On est là. Voilà, madame. Madame, vraiment. Les gens qui sont en France, je vais vous rappeler, Inch'Allah, pardon. Allô? 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 Oui, Wangaï. Mais rien n'a pris ma clé, quoi. Allô? Allô? Ok. Voilà. Madame. Vraiment, il n'a pas de quoi. C'est n'a pas fait la Guinée. Il est quoi. Motanze, parce qu'on s'en a un peu qui n'est même pas 30 ans comme ça. Il n'a exilé qui ça fait à peu près 5 ans. Ouvrier Bélébélé Nanana, je peux contribuer au développement de mon pays. Oui. Et Barato. Mais la Guinée est pas un petit clan de quoi. Mais il n'y a pas de administration qui est en train de se la Guinée. Réaliser de la Guinée, il finira la Guinée. Oui, oui. Il la Guinée, ça rêve pire en Canada. Oui, malheureusement. C'est pas facile. Il y a de la Guinée, il y a de la génération, il y a de la génération, il y a de la génération, il y a de la génération.
Et puis, il y a un simple groupe qui sont là, et il y a Amishife, quoi, à Modèle Birinda. Effectivement. Bovimoulangri. Oui. Il y a tout la Guinée, quand c'est ouvert et tout, Birin c'est ouvert. A dit gouvernement, a dit tant Birin, parce que la Guinée, comme opportunité, il y a ce qui est normal. Et il y a des ressources qui en est, quoi. Il y a un atouri. Oui. Allez, Maninke Nara, Maninke Ndena, il y a un pas qu'on les supporte, quoi. Parce qu'il faut y ravivre net. Et yo. Oui. On a l'UQ qui peut raviver. Donc, Myriam n'a pas la mouniahalin. Myriam n'a pas la fée, n'a alpha, n'a fidèle, alpha condé, birin n'a. C'est-à-dire, et bien la colonne n'a pas, non dit fénal n'a pas, quoi. Non dit moutangi magira. Wallahi, alara walitum. La Guinée Kabara Toro, la Guinée Kahakena n'a mini fée. Oui. Vraiment, nous t'en ira débat suivi, ma toujours. Au guerre ma souffle, la Guinée n'a pas quoi. Parce que Rally est un cas qui fait n'a pas, il bat le nez, il a la couleur, il a des mbaya. Il a une insurma. Mais Riato, il fait modèle la passe. Il bâtit des combis, nous fait birima, parce qu'il n'a pas de retirer, il n'a pas de combi ma réseau social. Et tout à fait. La Guinée, quand même, il y a un insurma quoi. Amiripou, Mirikamera a venu le canard. Parce que ma voilà. Il y a communication de là-bas. Oui. Il y a communication de là-bas. Il y a communication de là-bas. Parce qu'il y a un nom de Rafale. Il y a un nom de Mirikamé. Il y a un nom de venir le canard. Wallahi, 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 wallahi. Il m'a voulu faire. Wallahi. Allah n'est pas refima. Allah n'est pas refima. La Guinée-Ka, la Guinée-Ka, pour la babelle, la bombe, mes rêves, la Guinée-Ka, la Koulou, a failli être quand vous dites, mais il y a un peu de langue à ma quoi. Yo. Yo. C'est-à-dire, nous avons parlé de Mounia Halemi, du régime, parce que Nato, il y a un billion par affaire, la Guinée-Di, il y a un billion par affaire, un billion par affaire, total désespoir. Oui. Et puis, les régions, la Guinée, gouvernement Yama, la Guinée, Tirol Yama, a hommage à Guinée, a rané Yama qui nous vient, et la solution de fait pour que nous fassions résolu de qui en a rien, et a bien dans tout accumulé, et a bien dans tout la beauté. Bonne nuit, Toro. Mais tout le monde a qui en a rien, et tout, Marie-Gal a dit, sorry, a rawali fangira pas, elle a dit, elle a dit, elle a dit. La Guinée-Ka, on vivait déjà à Rogne, quoi. Oui. On t'en a un peu ici. Moi, je suis venu à la Guinée, quoi. Parce que on t'a oublié belle et belle, non, non, non. Mais il fait mon nom à la base, il n'y a pas de ligne, quoi. Il n'y a pas de catarra. Il n'y a pas de catarra. Parce qu'il n'y a pas de catarra. Oui, oui, oui. Donc, ça me va droit au cœur. Et puis, au combat, je n'ai pas de catarra. Wallahi. Wallahi. Ani sa tan ka fi da dangi na bi ki. Wallahi. Ai boy barato. Ala. Alu kyoki afanno ma ite kan defandi de na hala ite kan defandi ba ne nara. Oui. Donc ala ha o mali ala ho fa ka ki kwa pa ti o ha komba ha bi ti na na ibi da kwa. O ha de no ti ashi o ha komba. Parce qu'au bout de la bas, Manu, il y a moi tout, Manu. Ah, le modèle, il fait modèle, tout, Manu. Oui. Oui. Parce qu'il a tout gagné, il a dit, c'est ça, Manu. C'est-à-dire, il n'y a pas la guerre. Il donne exactement, il y a l'année, là, qui n'est pas les rats. C'est-à-dire, il n'y aura pas de faire vitesse d'être un enfant, Manu. Yo. Réitant, c'est toi. Réitant, la Guinée, c'est Manu. La Guinée, c'est Manu. Problème, d'être un enfant, plus de 100 ans de problème, Manu. Exactement. Exactement. Mais Dieu merci aujourd'hui à la barre au Mali, à la barre dans ça, c'est là quoi. Wallahi, donc à la au Mali, la Guinée a mis une victoire qui dit bien. Vraiment, mon amour est à côté parce que appelle un peu quoi. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Mon amour est à côté. 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 Mon
c'est vous la voix des sans voix. Des sans voix, Donc, oui. on respecte votre opinion et Mmh. puis on vous encourage très bien Merci, aussi. merci, merci. On prie pour notre pays pour qu'il va avoir une bonne route maintenant, quoi, parce que ça a trop duré, Amin, vraiment. amin, amin. Alors, wow. Vraiment, merci, madame, Merci, et merci, bonne comme soirée. merci. Merci, bon week-end. Merci vraiment. Ok, Alors, vous l'avez. merci à vous. Merci. Ok, bye bye. Voilà. On va rappeler les appels en absence. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, comment ça va? Ouais, je vais très bien, et la journée, ça va quand même. Alhamdulillah, ça va, wallahi. Ça va. Voilà, nous allons venir sur le dispensaire, en fait, à propos de ce que vous avez donné comme sujet pour M. Alpha Condé. Moi, je pense que. Allez-y. Et voilà. Le Attendez. Guinée a un peu de pitié envers M. Alpha Condé parce que on sait vraiment que c'est pas facile, mais vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Alors, vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. On entend. Allô? Ok. En fait, ce que je voudrais dire, moi, je pense que c'est pas la peine qu'il soit transféré à l'AE ou à ces pays. Il faut qu'il reste en Guinée parce que c'est un peu encore dangereux pour la nation quand il sort en Guinée. C'est pas, ça sera pas facile pour les autorités aujourd'hui qui sont en place. Et moi, je pense qu'il faut qu'il reste en Guinée, s'il faut le viser, il faut qu'il soit visé en Guinée. Et mais moi, ce que je suis contre, en fait, de plus en plus, c'est son gouvernement, en fait, comme ceux qui sont là, comme Damalo Camara et puis et Kassore Fofana. Moi, je pense qu'Alpha Condé n'a pas plus médecin que Damalo. Et Alpha Condé n'a pas plus médecin que Kassore Fofana ou Diané. Ce sont des gens qui l'ont poussé d'aller ce troisième mandat. Ce sont des gens qui ont, parce qu'ils voulaient juste leur intérêt. Ils ont vu quelque chose, en fait, qu'ils voulaient retenir, qu'ils voulaient prendre. Parce que selon eux, ils ont dit, ouais, Monsieur Alpha Condé n'arrive pas à terminer ce mandat, peut-être il va passer 6 ans encore de plus, selon leur pensée. Ce qu'il faut faire, il faut lui pousser d'aller à cette élection, quand il gagne l'élection. Et puis, s'il fait 2 ou 3 ans qu'il meurt, et puis nous, on va prendre le pouvoir, on va faire ce qu'on a à faire. Alors, avec tout cet argent qu'ils ont pris, 2 000 milliards de francs guinéens, qui ont gaspillé par le négatif comme ça, c'est dommage pour la Guinée. Wallahi. Et encore, je vois des gens qui sortent dans les commentaires en Facebook comme ça, qui sortent, qui fait des lives, des partisans des RPG arc-en-ciel, qui parlaient de l'âge. Moi, je me demande ces gens-là, est-ce qu'ils ont quelque chose dans leur tête? Et ils ont pas parlé de ça auparavant, ils ont pas dit que c'est Monsieur Alpha Condé, vous avez 83 ans, ça c'est du mensonge. Mais Monsieur Alpha Condé a 93 ans. Ils ont enlevé 10 ans pour qu'il soit présenté en 2010. Alors, Monsieur Alpha Condé, il a 85 ans en 3 ans selon eux. Et ils n'ont pas parlé de l'âge en ce temps. Maintenant, il laisse jusqu'à Monsieur Alpha Condé soit passé. Et puis, il revient pour nous dire, il faut arrêter tous ces veillards, il faut que les jeunes soient présents. Maintenant, il faut qu'on parle aux jeunes. Quels jeunes aujourd'hui, la Guinée, c'est quel jeune qui a le pouvoir de se l'Oudalin ou qui a le pouvoir de Sidya Touré ou qui a le pouvoir de M. Kouyaté? Personne! Tu vois, tous ces jeunes-là, nos opposants, par exemple, Alpha Condé a liquidé tous ces jeunes-là. Personne n'a les idées maintenant. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut quelqu'un de Sidia ou c'est Loudalé ou Kouyaté qui vient au pouvoir pour recruter des jeunes compétents. Vous voyez? Et si vous voyez, Ismaël Condé a été emprisonné pendant tout ce temps-là, c'est pourquoi? C'est ça qui fait retourner encore l'Afrique en arrière. C'est pas logique, c'est pas normal. Là, moi, je pense que ces gens-là, c'est des ethnocentristes, c'est des gens qui n'ont rien dans leur tête, qui parlent de l'âge aujourd'hui. Et puis, il revient pour nous dire encore, pour que les deux camps là soient liquidés en fait, pour que l'IFDZ, l'IRPD, parce qu'il faut que Ok, l'IFDZ n'y d'accord. existe Vous plus. avez bientôt 5 minutes. RPD, Allô? RPD, Je vais. ouais. Allô?
Je suis obligée d'arrêter. Je vais appeler une autre personne et arrêter parce que ça fait bientôt 5 minutes. Ok, pas de problème. Alors, Merci merci, très bien. beaucoup. Alors, je vous encourage dans votre domaine. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir. Ok, j'appelle une seule personne. Le français là. J'appelle un français. Est-ce qu'ils sont là? Passe pas. On va arrêter maintenant. Allô? Allô, Marie. Oui, comment ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va et vous? Allô, allez-y, on vous écoute. Comment ça va? Je salue tous nos auditeurs. Tout le monde vous salue, tout le monde vous salue aussi. Et moi, Manara Palaté, Lona de Alpha Condé aujourd'hui. La possibilité qui se pose. Il faut le garder en résidence surveillée en Guinée. Ah, d'accord. En résidence surveillée, mais vraiment surveillée. Parce que s'il sort de la Guinée et qu'on le confie aux mêmes bandits de la CEDEAO, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont manigancer là-bas avec nous. Ils sont capables de tout. Oui. De tout. La sécurité de la Guinée, le garde en Guinée, en résidence surveillée. Mais vraiment surveillé. On le laisse là-bas. Déjà, Dieu lui a condamné. On ne peut plus rien pour lui. À la barrière, attends, condamné, c'est comme ça. Il reste là-bas. On s'occupe des autres bandits qui étaient là près de lui. D'accord. Ils sont plus dangereux que Alpha. D'accord. Comme vous le dites souvent, ils sont J'espère que plus vous avez, j'espère que vous avez la possibilité et la force et tout le matériel de les garder. Parce qu'il faut cela aussi, il faut de gros moyens pour garder des bandits. Il y a tout ça. Et celui qui veut faire ça, il faut comprendre une chose. Est-ce qu'il a du monde pour l'aider dans ce sens? Parce que c'est ça. S'il a un poids plus gros que son cerveau ou sa personne, ça c'est autre chose. Il faut penser à tous les facteurs. C'est pas quelqu'un, c'est pas un Superman, c'est pas. Je ne sais pas comment vous dire ça. La Guinée, elle est plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est Voilà, donc. complexe, Madame Sissoko. On le sait tous, on le Nous ressent. allons tous continuer On le ressent, c'est-à-dire, à derrière la Guinée, il y réfléchir. a des épines. Voilà. Partout où tu passes, il y a des épines. Hein? Tu n'as confiance à personne. Quiconque tu fais passer, on dit aujourd'hui, c'est la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Les plus proches d'Alpha Condé, de ceux qui étaient entourés par ces gens-là, c'était des jeunes. Des jeunes qui ont fini l'université, qui étaient là en train d'accompagner ces malfrats. Hein? J'étais là en train de l'accompagner. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est vraiment de faire beaucoup attention. Et surtout, on n'en parle pas d'une seule personne qui était là, qui est pire que eux tous, Sankor. D'accord. Malik Sankor, le pire D'accord. des tout, qui sortait sur les ordres dire qu'il a recruté des mercenaires, que quiconque soit rival, Ils les n'ont qu'à attaquer. faire sortir leurs Lui, il est mercenaires là, on n'en maintenant. parle même pas de lui. Ils n'ont qu'à les faire sortir. On veut voir Ils n'ont leurs pas les mercenaires. faire sortir. Vraiment, Madame Sissoko, les sujets sont pertinents. Oui. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire pour la Guinée. C'est-à-dire Ça partout va où on aller. touche, Ce qui se c'est des passe épines, là, c'est des épines. ce qui se passe là n'était pas prévu. Donc voilà, quand on dit de mettre la main de Dieu, les gens ils pensent que c'est la mosquée. Je vais vous laisser parce Jamais. que bientôt l'heure de la Papa, merci prière, on beaucoup, va Madame arrêter. Sissoko, Merci, et bien des merci. choses à la famille, Merci, ainsi que merci. tous nos auditeurs. Merci, merci à vous. Allez, Bon bisous, bye. week-end. Merci. Au revoir.
Ok. Attendez, parce que je mets un mot d'avion, il y a des gens qui vont appeler. Ok, je vous dis merci à tout le monde. Voilà, on va réfléchir, peut-être qu'on va revenir sur ce sujet quand on aura le temps, que tout le monde réfléchisse à tous les paramètres que j'ai dit au début. Je n'ai pas le monopole de la vérité ni du savoir, mais ça nous donne à réfléchir, que chacun de vous réfléchisse très très bien, voir tous les paramètres, parce que tout ce qu'on dit là, c'est joli, c'est beau, c'est comme si ce monsieur-là, voilà, il avait... Je pense qu'on demande trop, je pense qu'on est un peu trop exigeant. Et c'est pourquoi chaque fois on a un président, il dit la prochaine fois encore, je n'ai pas fini mon travail, la prochaine fois, parce que peut-être on demande trop, j'en sais rien moi. Réfléchissons autrement, avec le gouverné autrement, il faut qu'on réfléchisse autrement et faire attention autrement. Parce que cette crapule, cette pourriture, son odeur sent de la prison là-bas, ça va toucher le monde entier. La honte là, c'est bon, c'est une justice ça aussi. Je ne dis pas de ne pas le juger. Moi, je veux qu'il soit en sécurité hors état de nuire. L'argent. On peut tout saisir. On le dépouille, il n'a rien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, là, ces jours-ci, il peut se passer autre chose. S'il vous plaît, continuons les prières, les invocations, les lundis, les jeudis. Et même demain, ceux qui peuvent gêner, vous donnez demain à Allah. Ou si vous avez déjà fait, ok, ce n'est pas grave. Pour ce qui s'est passé, qu'il amène... qu'il vienne en Guinée, qu'il guide Doumbouya, qu'il guide toute personne qui puisse aider ce pays. Que Allah les guide. Ce n'est pas ce qu'il veut faire, non. Ce qu'il veut faire, non, mais ce n'est pas ça. Ce qu'il a au fond de vous, de lui, on ne sait pas. Mais que Allah le guide, parce que c'est le meilleur des guides. Parce que tous ceux-là, ils ont MPD, Satan quand même, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on le guide pour qu'il ne balance pas d'un côté qu'il ne faut pas. S'il a 41 ans, il me fait pitié, il est très, 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 très jeune. Voilà, à force de ne pas respecter les résultats des urnes, à cause de l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie, on se retrouve avec un jeune de 41 avec une première dame française. Vous avez vu Dieu comment il sait faire les choses et les gens refusent de réfléchir. Vous allez finir par réfléchir. Comme vos cerveaux sont coincés, je ne sais pas, dans les os de vos crânes, vous ne comprenez rien. Un bandit, un voyou, vous donnez le pays à un voyou. Et vous faites comme si, même on est le bâtisseur, le professeur. Et les RPG, ils ne disent pas de professeur, ils disent professeur. Vous n'avez pas remarqué ça. Le professeur Alpha Condé. C'est-à-dire, Alpha Condé fait une grande barre la Guinée. On m'a colombé matou. On fait ma colombé. On fait ma colombé. On m'a ni guignard. Le Guinée est de très mauvaise foi, la mauvaise volonté. La mauvaise volonté. Même on a une première dame blanche. Ils ont 3 enfants. Au moins, c'est une vraie famille. Voilà, ça sera super. Ça sera joli quand ils vont prendre la photo de famille. Vous voyez, non? On n'est pas habitué à ça. On ne connaît pas ça. Ils sont partis ramasser le voyou là, seul dans son appartement. Quand tu dis ça, il y a des gens qui ne sont pas contents. Quelqu'un a vu Guéné Kaba? Elle, il faut nous dire... vous l'avez vu? Ou bien vous ne l'avez pas vu? Elle est où? Je vous dis que Dieu, il va nous répondre. Il va répondre chacun de nous, Inch'Allah. Merci pour les commentaires, pour les partages. Alors, amis, c'est midi, bilin, naktanga, amis, c'est midi, bilin, kanta, amis, c'est midi, bilin, sutura. Arasun, na guinée, ou nakele, arangon, nakele, aranon, di mali, aranon, di masi. Aroum, badini. Yannour, aroum, badini. A la guinée, badini. A la guinée, badini. A la tête, la guinée, bengre, maramour, sur la guinée, bengre, oui. Alkoira kolo mousse dengifi. Alkoira ala mousse ntane tagira bakolo. Wonga ba sentane yira sono. Umbiringa la makula. Ala rafa la gina ragbila ra la gina. Tananga la gina ra tanan la gina da. Maintenant, on va connaître la différence dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Quand on sera sur la voie d'Allah. Et quand ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se filer. Qui vont dire que, on vivait comme des animaux. On était sales comme ça. Le pays là était comme ça. Ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est là que vous allez penser à mes mensonges d'aujourd'hui là. Vous allez penser à ça. Quand je vais participer au changement de la vie de certaines filles, des jeunes filles qui vont grandir d'une autre façon, vous allez dire, vous voyez, par la grâce d'Allah, mashallah, la dame là, on ne la croyait pas. Oh, la dame là, on l'insultait. Aujourd'hui, voilà, elle aide beaucoup les gens, elle aide les filles, elle aide les femmes. Ah, par rapport à l'islam, ça a changé notre vie. Il faut être patient et endurant.
Allah aime les patients et les endurants. Pour la vérité, il faut être endurant. On a pris un an. Premier mandat de la 10e République. Un an. Il n'a même pas fêté l'anniversaire de ses un an. Maintenant, même si Alpha Condé devient président de la République, président des États-Unis, la honte mondiale universelle là, qu'on est en train de regarder sur la planète Mars, comme il est né en Mars, à ma monnaie Bama. Mais où ma monnaie Bama? Ne rébile bien, faut qu'on essaie, c'est ma monnaie Bama. Une bille au boulot, faut qu'on ait rébile bien. Une bille au boulot, faut qu'on ait rébile bien. Une bille au boulot, faut qu'on ait rébile bien. Voilà, faut qu'on ait rébile bien. Ne rébile la Guinée, dis-moi, donc, fais réseaux sociaux, moi, qu'en est ma dungouda. Et l'on n'est nous d'aller lui utiliser fait. Alors, n'attend l'on n'est n'attend d'aller lui d'aller. Et quand il est femme, alors, n'est fanda. Guinée, ramène, tu mets du fourris, c'est un tu es. Ne rêve moi, alors, la Guinée reste gardienne de San Créa-Rome. Ne rêve moi, alors, la Guinée récupérée. Kawom ma sarama, alors, au bas souturé. Kawom ce que mon nom dit Créa-Rome, alors, au régerbi. Kawom ce que mon nom dit Créa-Rome, on nous dit fallait, au rené ratagan, ba alors, au temps fanatagan, ou la cessera, alors, au gourou. Sembe yon a ouïra. Offin de franc-maçon, offin de reptilien, offin de divinité, non trinité yura. Quorum, il y a une centaine, il y a une musulmane. C'est un modèle qui n'a pas fait la Guinée. Il n'y a pas fait la Guinée. Il n'y a pas fait la Guinée. Alors que nous avons la Guinée de l'Islam, parce que nous avons la Guinée. Parce que nous avons ma vie, nous avons ma vie, nous avons ma vie. Donc nous avons fait la Guinée. Nous avons fait la Guinée. Alors que nous avons la Guinée, nous avons fait la Guinée. Nous avons fait la Guinée. Mais il faut être patient et endurant et traquer le mensonge. Il faut traquer le mensonge. Mettre le mensonge à nu, humilier le mensonge. Il ne faut plus que le mensonge s'impose. N'allez pas sur les pages, vous les connaissez déjà. Ils ne vous aiment pas, ils n'aiment pas la Guinée. C'est Alpha Condé qui les intéresse, les gens qu'on paye là. C'est des maudits. C'est des maudits d'Allah et maudits d'Iblis. Ceux qui suivent Alpha, ils sont comme Alpha. Qui se ressemble, s'assemble. Ce n'est pas caché. Les gens là ne vous aiment pas, ils n'aiment pas la Guinée, ils n'aiment pas l'Islam, ils n'aiment rien du tout, ils n'aiment pas Dieu. Dieu les aime, hein. Mais eux, ils n'aiment pas Dieu. Parce que Alpha, lui, c'est un satanique. C'est pas caché. Ce qui lui est arrivé là, mes frères et sœurs, celui qui dit qu'Alpha est encore avec Dieu, ah ouais, il y a un problème. Peut-être qu'ils sont en train de confondre Satan et Iblis. Et je reviens dessus. Ceux qui doivent être, ceux qui disent tout le temps là, que Alpha les fait pitié, chassez la pitié de votre cerveau. Non. Chassez la pitié de votre cerveau. C'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. S'il vous plaît, chassez ça de votre cerveau. Non, 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 non. N'ayez pas du tout pitié de lui. Il a ce qu'il mérite, qu'Allah juge, que le meilleur des juges juge. C'est tout. À bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde pour les partages, pour les commentaires. Les insulteurs, qu'Allah sorte vos cerveaux de l'obscurité, de l'obscurantisme. C'est l'obscurité qui a fait que vous avez suivi Alpha. Cette obscurité, vous êtes toujours dans cette obscurité. Vous voulez nous imposer cette obscurité-là. Ça ne marchera pas. Fais-moi. Et ça ne peut pas. Inch'Allah, ça ne pourra pas. C'est la vérité qui gagne. C'est la vérité qui triomphe. Et si tu insistes à vouloir détruire la vérité, tu seras détruite avec cette vérité-là. Plus que cette vérité. La vérité, tu la détruiras pas. C'est toi qui seras détruit. Si tu veux insister pour détruire la vérité, tu seras détruit. Ceux qui veulent détruire la vérité, quel que soit le savoir et la connaissance que vous utilisez, sauf si ce n'est pas Allah qui vous a créé. Il vous donne un savoir, vous utilisez ça négativement contre vos propres frères et sœurs à cause de vos ethnies, à cause d'un intérêt quelconque. Qu'Allah vous punisse parce que vous êtes des gens qui n'avaient pas honte. Quand ils n'ont pas honte, Miriagi Tare fait colon Tare Doma Kemenama. Doma Kemenama. Fahara Domar Gourne Mirema. Leurs habits là, ils veulent que nous on porte ça. Leur comportement là, ils veulent nous mettre ça. Mais Allah est en train de montrer la vérité. Oui, à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les partages et pour les commentaires. On continue. Nous allons continuer. Les fausses personnes là, ils vont tomber. Ils vont tomber comme Alpha. Que Allah les humilie comme Alpha a été humilié mondialement. Que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit. Ou n'importe où que ce soit. Qu'Allah les humilie, qu'il les ridiculise, que vous voyez leur vrai visage. Que vous sachiez qui ils sont. À bientôt, Inch'Allah.